Yeah! Epic Game! People can fly! Unreal. Bonjour et bienvenue sur Jenny Games pour un nouveau jeu. Oh, ça me donne des frissons. Bulletstorm! Oh, un des plus gros regrets. Salut, ZZSuzumeZZ. Un des plus gros regrets qu'il n'y ait pas de suite, putain. Faites une suite. J'en ai rien à foutre que ça dure des plombes, mais faites une putain de suite à ce putain de jeu. Alors, ça n'a pas été facile de me connecter à ce jeu, notamment parce que c'est simple. Pour ceux qui voudraient savoir, si vous achetez ce jeu sur Steam, au moment où vous allez l'installer et au moment où vous allez le démarrer, donc je vais laisser ça rouler, au moment où vous allez démarrer le jeu, ouais, ça va juste faire un petit tour du décor, voilà, pas mal, voilà, ça vous montre la beauté du jeu, bien qu'il ait déjà quelques années, je l'avoue. Hein. Alors, qu'est-ce que je disais? D'accord, vous avez donc acheté le jeu, et il va vous demander, et enfin, il ne vous le demandera pas personnellement, mais, en fait, vous devez avoir Windows Live Game. Vous devez donc télécharger gratuitement Windows Live Game et créer un compte Xbox. Pourquoi? Je ne sais pas. Heureusement, j'en ai un parce que j'ai une Xbox 360, du coup, j'ai un compte Xbox. Et, en fait, ce qui fait que j'aurais pu jouer à ce jeu directement sur ma Xbox et l'enregistrer. Mais je n'ai pas encore d'enregistreur pour ça. Du coup, voilà, Bulletstorm PC. Et après ça, il y a eu une putain de mise à jour et tout ça, et ça a duré des plombes. Et du coup, j'ai dit fuck it. On fait Hunter the Gungeon en attendant. Donc voilà, on va pouvoir se lancer dans la campagne. Alors, j'ai fait un test son. Et un test de touche aussi pour savoir. Donc, on y va. On va mettre en normal parce que, voilà, on n'est pas des fiottes. Voilà, alors maintenant, instant scénario. Alors, attention, le jeu aime bien mettre des actions event, je sais plus comment on appelle ça, les quand tu appuies sur un bouton au moment où ça te le demande et tout ça. Des quick time event, voilà, des quick time event dans ces cinématiques. Et donc si vous n'avez pas les mains sur le clavier, vous êtes foutu. Voilà, on va continuer. Systèmes annexes. Non gouvernés, non répertoriés. Hors de la juridiction confédérée. Y'a un crâne! Du calme, les gars! Du calme! Vous ne comprenez pas! Les gars, écoutez-moi! Tiens! Bois encore un coup, Gray. Tu viseras mieux. Pitié! 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 Hé! Hey, prends mon flingue! Non. Mais vise pas en plein milieu de la cible. Hein. Notre héros, mesdames et messieurs! Écoute, plus vite tu répondras à nos questions. Et moins t'auras de chance qu'on rate notre coup et qu'on t'explose la tête, c'est pigé. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vais tout vous expliquer, ok? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vais tout vous dire. Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est combien la prime sur nos têtes? Un demi-milliard pour chacun. Elle a été doublée après l'attaque du cargo de la Confédération. C'est Sarano lui-même qui l'a fixé. Un demi-milliard? Pas mal. Parle pour toi. Moi, je vaux le double. Bien. J'apprécie franchement ton honnêteté. Bordel de merde! Je vous ai tout raconté! Ouais, mais t'as aussi voulu nous buter. Être honnête ne te rend pas innocent. Pas mal. Affaire. Alors, désolé, c'est la vie de tous les jours qui bat son comble. Troisième de la semaine. Ah, Sarano a des envies de meurtre, on dirait. Allons attaquer des vaisseaux confédérés pour justifier la prime. L'espace. Ouvre-toi la porte. Ouvre-toi la porte. Ouvre-toi la porte.
Ah, l'enfoiré. Oh non! Non! On se fait aspirer! Quand je vous l'avais dit, dans les cinématiques, faut jamais lâcher le PC. Confie pas des tâches importantes à un mec bourré. Ça c'est, faut faire imprimer ça sur des t-shirts. Tout ce que tu touches se casse la gueule aujourd'hui, on dirait. Va te faire foutre, ça me fera de l'air. Maintenant, je sais pourquoi il boitait l'autre. Pas besoin de te dire de te baisser. C'est bon. Je suis pas débile. Et voilà notre tutoriel. Vous êtes vraiment... Oh, la porte a l'air coincée. Recule, Doc. Je vais l'ouvrir, moi. Lequel de vous a eu la bonne idée de laisser une Nova Grenade au chasseur de primes? Ouais, on est grillé ici. Je mets les voiles. Très bien. J'arrive tout de suite. Y a rien à boire dans le coin? Non. Juste un peu de diluant dans la réserve. Gray, on a un problème. J'ai besoin de vous. Vite! Vite dans l'ascenseur! Chaque fois, il donne des coups de pied dans tout, le gars. Et Doc, chou. Et voilà notre héros. Votre attention tout le monde, capitaine sur le pont. J'étais en train de suivre la piste des cargos confédérés. J'ai même pas eu le temps de réagir. Il était déjà là. Il était déjà là. Ulysse. Je vais nous sortir de là. Ulysse 31. Attention, on se prépare. Oh, on va nulle part, ici. Ah, c'est le bijou armé de la Confédération. Le général Sarano est à bord. C'est Noël avant l'heure. Ce gros tas de merde a fait couler beaucoup, beaucoup de sang. On va lui faire payer l'addition. On est avec toi, Gray. Sarano nous a laissé pour mort. Gray, t'es bourré. Je suis bien vivant. T'es bourré. T'as pété un boulon ici. Non, je suis sobre. Servir malgré ton inconscience. Mais ça, je vais pas mourir pour que tu te venges, Gray. Pour qu'on se venge. L'Ulysse tente d'entrer en communication avec nous. Je suis bourré. Les canons, ils vont piger le message. Je suis bourré. Si quelqu'un veut protester, c'est le moment. Personne? Alors feu! Mais je suis bourré! Sarano va regretter de pas avoir triplé la prime. Mais je suis bourré! Font chier avec leurs missiles! Bousillez leurs canons externes! C'est ce que je fais, moi, hein. Après, c'est toi qui est complètement teubé, là. J'aime bien, c'est à quel point c'est toujours... Les jauges de vie sont toujours sur le... Je croyais qu'on attaquait le fleuron de la Confédération. Je croyais qu'on attaquait ta mère. Oh. Non, je devrais pas m'auto-insulter vu que je suis ce perso. Tiens, prends ça. Oh merde. On reste pas là. Aïe, mais putain, mais... Ok. Bon. On était déjà morts de toute façon. Morts depuis des années. Il me reste encore une chose à faire. C'est de m'assurer qu'on n'ira pas en enfer sans toi, Général. Tu vas venir. Toi et tes sous-fifres, vous allez venir avec nous.
Un petit plongeon dans un puits sans fond. Un petit aller simple pour aller brûler en enfer. Faucon Millennium Style. On est rentré, on a fait sauter le moteur et on est sorti. Waouh. Quelques années plus tôt. En apesanteur. Tu me gonfles, Rel. Oh, si on peut même plus rigoler un peu avant le massacre. Ah, on les appelle pas, tiens. On nous dit qu'on est là, et puis où on va aussi, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pourquoi pas. Putain, mais j'aime bien ces choses là. À nous de jouer. Infiltré. Avec moi. 3, 2, 1. Sarano veut faire exploser ce terminal. On se dépêche. Il nous reste du temps. Pas de soucis, chef. On est dans les temps. Hé hey. Putain, Ishii, je t'ai demandé de faire exploser ce truc, pas de relever tes mails. Qu'est-ce que tu fous, bordel? On regarde quoi, là? Toutes les missions qu'on a faites. On aurait massacré des gens innocents. Novak, c'était un reporter. Il écrivait un article sur Sarano et la corruption. Contacte Sarano tout de suite. En fait, on est les méchants! Général Sarano, j'ai une... Dérangez pourquoi, bande de cons? Vous êtes sur le lieu de la mission? Espèce de sale... Fermez votre gueule! Et répondez-moi. Tous ces gens... Vous nous faites tuer des civils innocents? Et pourquoi vous croyez que vous êtes payés depuis tout ce temps, mes chers petits enfants de cœur de mes deux? Vous êtes des criminels, bordel! Des putains d'assassins aux ordres de la Confédération! Vous disiez qu'on tuait des trafiquants d'armes, des marchands d'esclaves, des meurtriers! Je mentais! Putain, quelle gueule de rat! On vient de tuer qui, là? Novak! Détenez des preuves de votre culpabilité, bande de cons! Vous l'avez tué pour couvrir vos arrières! Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Vous servez fièrement! Un général de votre confédération adorée, pour laquelle vous seriez prêt à donner vos misérables vies de petits soldats de merde. Tout ça pour la préserver, faire plaisir à votre commandant et assurer la souveraineté du gouvernement. Alors, soit vous rampez devant moi et vous vous excusez platement. Va te faire foutre. Je vais te faire vivre en enfer. Je vais te tuer. C'est un hologramme. Merde, mec. Tu fais chier! T'as pris une décision tout seul, alors que ça nous concernait tous! Ok, on retourne au spectre, on saute dans les systèmes parallèles, hors de la juridiction de la Confédération. Je suis pas sûr qu'on puisse quitter cette planète, Grayson. Oh, si on peut! Et par la manière forte! Ah, bon sang!
Hey, t'en fais pas, on va pas te faire de mal. Tout va bien se passer. Ici, surveille la petite. Reste en place, on va se battre. Mais dégagez. Mais attends, mais. Putain, mais qu'est-ce que vous foutez là? Bah, qu'est-ce que tu fous là? Moi, je me dis que je suis en train de tirer sur mes potes, du coup, je me retourne. Et tous ces gens sont pas mes potes. Crevez! Bah, moi, je suis comme ça, moi, je suis un berserker, moi. Oh mon dieu! Cours, petite! Jusqu'à l'ascenseur! Et c'est comme ça que je suis mort! Bouge ton cul, boss! Allez! Mange-toi! Ça se présente mal, les gars! Bon. J'arrive. Laissez-moi juste le temps de récupérer mon flingue! Mais c'est pas le problème. Sors-toi la tête de cul. J'ai besoin d'un coup de main. Oh putain, j'ai le bad. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Oh putain, j'ai trop bu. Ouais, c'est vrai. Ichi. Il est tout noir. Il est tout noir. Bon sang. Bougez-vous. Vite, amenez-le à l'infirmerie. Doc, est-ce qu'il... Allez-y. Faut que je le porte ou... Non, c'est bon. Dépêchez-vous! Parce que c'est pas sûr que ça marche, ça. Vous aussi... Quand vous aussi, vous tapez sur les chiffres pour... D'abandonner ici, pas si on a une chance de le sauver. Ok, ok. Si Doc pense pouvoir le réanimer, remets-le d'aplomb. T'es expert en cybernétique. Tu dois bien pouvoir. Je peux remplacer ses membres, mais regarde-le, Gray. La moitié de son corps est broyée. Et alors ? Essaye au moins. Putain, regardez-moi son moignon là. Si... Coucou ! J'ai peut-être une idée. Il tient juste dans l'os. De fusion chargée pour la biosoudure. Impossible d'en trouver ici, Doc. Bon sang ! Il doit bien y avoir un moyen. Les capsules d'évacuation de l'hélice. J'en ai vu s'écraser. Attends une minute. On va voir comment il est. Dans les moteurs. Oui, chef. Viens, Arel. Il a plus beaucoup de temps. Maintiens-le en vie. Alors, voyons voir. Ok, donc il va falloir sortir. Je vais te le dire franco, boss. T'as pas assuré. Je sais, je nous ai mis dans la merde. Mais on a marde. T'entends? Espèce de gros bruit. Bah oui, je l'entends. Bordel de merde. J'aimerais. Qu'est-ce que c'est que ça? Le méchant de Ken Liu survivant ici. Ah, t'es magnifique, chef! T'es un véritable porte-bonheur! La voix se colle littéralement à la peau! La ferme! Regarde l'autre sortie! Ah, super! J'ai vécu des après-midi beaucoup plus sympas. Allez hop. T'as choisi le monde idéal sur lequel nous écraser, boss.
Allez, prends ça pour qu'épic. This is Sparta. Amenez-moi cette cellule. Ichi se vide de son sang. La faune locale s'interpose, Doc. On fait aussi vite que possible. Oubliez ces saloperies. Dépêchez-vous. Putain, mais où est-ce qu'on a atterri? On dirait Borderlands. On est sur Pandora. Bon, eh bien, je trouve que c'était un premier épisode plutôt explosif. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Alors, je sais, je vous allais dire, mais c'est pas juste, d'habitude on a un épisode plus long, et il n'y a pas assez d'action. Oui, mais l'action, elle viendra dans le prochain épisode de Bulletstorm. Et d'ici là, moi je vous dis à plus sur Daily Games, c'était Devil. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et je vous dis à plus sur Daily Games, c'était Devil.